ma vie en vaut la peine. Et je ne veux pas disparaître à jamais et constater avec amertume que personne ne m'aura compris. Mon nom est Francisco Trinidad Huerta. Je suis né en 1800. Je suis peut-être le plus grand guitariste de tous les temps. Si vous ne me croyez pas, accordez-moi au moins un titre de gloire. C'est moi le premier qui ai rendu sa liberté à la guitare. Oui, une liberté nouvelle. Il faut citer Monsieur Huerta en première ligne. Entre ses mains, la guitare offre des ressources nouvelles. Oui, on a même dit en guise d'épitaphe, il y a bien longtemps, en 1830, que j'avais révolutionné la guitare. Huerta était un virtuose d'une nature étrange, d'un ordre exceptionnel, qui semblait transformer la guitare en lui demandant ce qu'on n'en avait jamais obtenu avant lui. Il a élevé la guitare à la hauteur sublime que Paganini avait atteinte avec le violon. Et qui a écrit cela ? Fétis, le critique féroce, la dent la plus dure de ce siècle contre la guitare. Voilà quelques mots plus précieux pour moi que des millions. On a dit aussi que je ne connais pas la musique. Que m'importe la musique ? Je connais la guitare et je n'accepte que ses lois. Quand j'ai mes mains sur ma guitare, je suis le roi du monde. Je ne supporte aucune règle venant d'ailleurs, venant d'autres mains que les miennes. Je sais, on dira que je suis orgueilleux et que justement je me prends pour le roi du monde. Et même il y a des personnes qui affirment que j'ai un trou au milieu de la poitrine à force de me la frapper fièrement avec l'index et que toutes mes phrases commencent par « Yo soy ». Ridicule. Vous savez que j'ai chanté Figaro dans le Barbier de Séville avec le grand Manuel García. Et que Fernando Sor m'a appelé Sublime Barbier. Il se trompe. C'est Sublime Barbare qu'il fallait dire. Car oui, je joue comme un barbare et je le revendique. Je laisse l'autre guitare lisse et polissée, c'est-à-dire convenue et fade en un mot classique, aux autres. Ceux qui n'ont d'autre but, d'autre fantaisie que de tenter d'imiter le piano avec une guitare et qui n'y arriveront jamais. Et même, sachez que c'est cette guitare-là, la mienne, libre et sauvage, qui m'a sauvé la vie quand mon bateau fut capturé par des pirates dans les Caraïbes. Ils étaient tellement fascinés par mes improvisations qu'ils m'ont libéré. N'anticipons pas. Pour l'instant, j'ai 20 ans et je suis épris de liberté comme je l'ai été toute ma vie. Mais pas seulement pour la guitare, car j'ai dû prendre les armes pour la défendre, cette liberté. Comment ne pourrais-je pas, à 20 ans, me rallier à la révolution de Rafael del Riego et me battre pour la constitution libérale contre l'absolutisme de l'ignoble Ferdinand VII et contre le tout aussi ignoble Chateaubriand, maudit poète. Mille fois maudit sois-tu, toi le vicomte de Chateaubriand, qui confortablement installé dans ton fauteuil de ministre à Paris, envoie le duc d'Angoulême et ta croisade des 100 000 fils de Saint-Louis. Les 100 000 fils de Saint-Louis,
ces 95 000 soldats français, armés jusqu'aux dents, passer les Pyrénées et aller jusqu'à Cadix pour détruire notre démocratie, si chèrement acquise. Tu l'as écrit triomphalement, sans vergogne. Enjambés d'un pas les Espagnes, réussir sur le même sol où naguère les armées de l'homme fastique avaient eu des revers, faire en 6 mois ce qu'ils n'avaient pu faire en 7 ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige ? De qui te moques-tu, Chateaubriand ? Tu n'as agi que pour la gloire des Bourbons de France, en volant au secours de ceux d'Espagne. Voir notre constitution abolie, l'Inquisition rétablie. Et même vous, les anciens maréchaux d'Empire, les Moncey et les Bourbons, mettre votre glaive au service du plus infect des Bourbons, Ferdinand, la Bourrique. Maudite année 1823, maudite bataille du Trocadéro, où la moitié de la cuisse gauche me fut arrachée par une balle. Il me fallait fuir à tout prix, sinon tant l'Inquisition m'aurait attaché sur une chaise et serré le cou avec une grosse vis d'acier, jusqu'à ce que mort s'en suive. À moitié agonisant, il me sembla voir mon frère Pedro Huerta s'approcher de moi à cheval, et je sentis avant de m'évanouir qu'on me mettait dans une charrette avec les cadavres. Mais ce n'est peut-être qu'une fantasmagorie créée par la confusion de mon esprit. Quand je revins à moi, j'étais à Lisbonne. J'étais devenu un exilé, un proscrit, comme plus tard mon ami Victor Hugo. Bon, finalement, de Lisbonne, je suis allé à Gibraltar, au moment où, à Madrid, le despote faisait pendre, puis décapiter, mon cher Rafael del Riego. Les Anglais, toujours hypocrites, supposément neutres dans cette guerre qu'ils avaient contribué à allumer, mais ils m'ont aidé à aller à Paris en me conduisant à Marseille. Paris, la capitale du romantisme. Installé à Paris grâce à des amis exilés qui m'accueillirent, j'ai dû faire profil bas. La police de Louis XVIII savait que j'étais un réfugié politique, un révolutionnaire, et suivait tous mes déplacements. Je me souviens comment je faisais le dos rond en allant à Passy chez mes amis poètes. Parce que je devais passer sur les hauteurs de Chaillot, justement par la Villa Trocadéro, ainsi nommée triomphalement, cette horrible bataille qui avait failli me coûter la vie là-bas. Ironie de l'histoire, avec un policier sur mes talons, et je devais retenir mon envie de crier ma haine. Ma haine à ce seul nom de Trocadéro, la bataille de la honte. Mais je me suis un peu vengé de tous ces Français absolutistes. Et vous savez comment ? En jouant de la guitare. Oui, comment ça, me direz-vous ? C'est simple. En jouant à tous mes concerts, une de mes œuvres, mais pas n'importe laquelle, le désormais célèbre hymne de Riego. Je l'ai composé tout en tirant l'épée. Cette mélodie que mon ami Gomis a orchestré pour fanfare, et qui a eu la chance de plaire et de devenir l'hymne des révolutionnaires et des républicains présents et à venir. La Marseillaise des Espagnols. Oui, de moi, Huerta. Yo soy.
symbolique, secrète. Quand je jouais cette marche de Rélo à Paris, au nez et à la barbe de la police, je tenais fermement ma guitare devant le public, truffé de réactionnaires et des vétérans des 100 000 fils de Saint-Louis, les lèvres serrées de peur de finir en prison. Une revanche plutôt qu'une vengeance, qui eut pour résultat de devenir l'ami de tout ce qui compte d'artistes et d'écrivains progressistes, et même, comble du paradoxe, parmi les plus monarchistes. Oui, une vengeance avec juste de la musique. Mais quelle musique ! Celle de la liberté. Mais mon plus grand titre de gloire, c'est que ma guitare ait séduit le grand Rossini. Je sais, les mauvaises langues diront que c'est surtout par l'intermédiaire de sa femme, une de mes admiratrices et compatriotes, Isabella Colbalan, l'interprète principale et l'inspiratrice du compositeur. Car on ne manquera pas de dire que je suis arrivé à Paris comme un renard dans un poulailler, et que peu de femmes pouvaient me résister. Mon portrait par Deveria suffirait à le confirmer. Et on dira que l'amitié que la divine cantatrice madrilène me portait était un peu trop étroite. C'est faux. Ce n'est que mon art qui l'a incité à me regarder plus que les autres. Mes ennemis diront même que c'est pour fuir cette relation particulière et dangereuse que je me vis obligé de mettre quelques distances entre Paris et moi. C'est faux. Ce fut un coup de tête. Lors d'un engagement au Havre, où je devais donner un concert, je rencontrai des Américains qui devaient s'embarquer pour New York. Je ne fis ni une ni deux. J'achetai quelques chemises et le jour même j'embarquai, au moment exact où le public havrais franchissait le seuil du théâtre pour aller m'entendre. En réalité, toujours talonné par la police, je fuyais ainsi l'atmosphère politique de la France des Bourbons. Si mauvaise pour ma santé. C'était en avril 1824. Ce coup de tête, je l'ai regretté par la suite, quand j'appris que Goya était venu en visite à Paris en juillet de cette même année. Être le plus sublime de ce temps, comme moi épris de liberté, était venu pour rencontrer nos amis exilés comme lui. Lui aussi était suivi de près par la police. Il ne resta que quelques semaines avant de retourner à Bordeaux pour y mourir peu après. En revanche, l'Amérique m'accueillit fort bien, ainsi que ma marche de Rieux. I was present at the crowded concert he gave on his arrival at New York. He made the large hall ring and echo with his Riego's March and Spanish boleros. The extraordinary powers of the much talked of young Spanish troubadour. Je dois l'avouer pour la vérité de ce récit. C'était la première fois qu'on jouait de la vraie guitare de ce côté de l'Atlantique. Et les Américains, bien qu'enthousiastes, n'y connaissaient strictement rien. De la même façon que les Indiens du Canada, stupéfaits de ce qu'ils entendaient pour la première fois, me prenaient pour le dieu même de la musique. Mais surtout, à un de mes concerts à New York, au deuxième rang, une très jeune et belle Italienne était assise. Elle semblait hypnotisée par ma guitare et me jetait des regards passionnés qui dénotaient la musicienne. Le lendemain, nous improvisions dans son salon un charmant duo guitare et piano. 3 jours plus tard, nous étions mariés. Mais hélas, cette joie ne fut qu'un souffle. Au cours de nos concerts, ne voulait-elle pas que ce soit ma guitare qui accompagne son piano et non l'inverse? Et puis elle prétendait me priver de ma liberté, me surveiller à chaque instant. À Philadelphie, où nous donnions un concert 15 jours après notre mariage, elle m'a accusé de la tromper, et en plus, de l'avoir battue,
cruellement, dira-t-elle au juge plus tard. Et après, c'était bien possible tout ça, je ne m'en souviens pas. En réalité, elle a tenté d'obtenir une pension de divorce alors qu'elle était enceinte. Je dus prendre la fuite, la justice américaine est féroce. Oui, il me fallait tout abandonner et m'enfuir pour La Havane. J'ai risqué ma vie pendant ce voyage dans la mer des Caraïbes à cause des pirates, comme je l'ai déjà indiqué. Mais c'est à Londres, où je suis arrivé en 1827, que j'ai trouvé l'épouse qui me correspond, Angiolina, la fille de mon luthier Louis Panolo. À Londres, une certaine arrogance s'exerçait aussi à l'envi. J'ai trouvé la critique désagréable et mesquine. Je dirais raciste contre la guitare espagnole. J'ai lu avec rage des choses comme « Inattention to the rules of harmony are indispensable in guitar music. » Les règles d'harmonie, parce que mon fandango ne contient que deux accords parfaits. Misérable journaliste, avec ces deux accords, j'accomplis le miracle de tenir le public suspendu à un fil davantage qu'avec une symphonie. Moi, qui ai fait de la guitare un véritable orchestre par le rasgueo. Un style de main droite dont je suis propriétaire et que j'ai développé à des hauteurs inouïes et dont tu n'as aucune idée. Écrasé par le piano et l'orchestre, vous n'avez rien compris à la grandeur de la guitare, en ironisant sur ce mot. That anything coming from the guitar should merit the epithet grand is a little surprising. C'était bien l'idée, ou le préjugé comme on voudra, que je m'étais fait de l'humour élégant de l'anglais, qui vous tue, mais avec le sourire. Signor Huerta. Playing his wonderful guitar in all sorts of ways. He speaks very bad English. Heureusement, à Londres, j'ai aussi lu des choses comme Huerta's fascinating musical powers on the guitar. Passons. À Londres, l'atmosphère est devenue lourde et j'ai dû faire un petit voyage en Orient pour donner des concerts en compagnie de ma grande amie Lady Louisa Montefiore de Rothschild. Je suis allé à Malte, et de là, la guitare espagnole a bientôt ébloui les murs de l'ancienne Byzance, c'est-à-dire Constantinople, capitale de l'empire décrépit de Mahmoud. Je l'ai fait connaître aux habitants de l'Égypte, et en jouant au pied même du Golgotha, j'ai fait pleurer le peuple de la Sainte Jérusalem, réuni en silence. Enfin, ce que j'attendais depuis longtemps est arrivé. 1830 est là. La liberté, le glas de l'absolutisme. Il est temps de revenir à Paris. La France m'accueillera à bras ouverts. Du moins, je retrouverai ici mes amis, réfugiés comme moi de cette Espagne toujours inquisitoriale et sinistre. Je serai enfin à l'abri dans mon refuge du 5 rue Le Pelletier, près de l'Opéra. Hélas, ici encore, je ne suis compris qu'à moitié. Il exécute des difficultés harmoniques qui tiennent du prodige et qu'on croit à peine possible quand on connaît les obstacles du manche de la guitare.
suivi immédiatement par... Monsieur Huerta nous paraît être le guitariste le plus habile que nous ayons entendu. Ses compositions ne sont pas très bonnes, mais c'est déjà beaucoup que de composer quand on ne sait pas la musique. Critique cruelle, ignorant du haut de votre science, ironique et intolérant. Monsieur Huerta est peu musicien, et l'harmonie dont il accompagne ses mélodies est quelquefois étrange. Oreilles esclaves de votre académisme, ne supportez-vous d'autres harmonies que les vôtres ? Ne voyez-vous pas que cette harmonie qui vous semble étrange est celle qui porte la modernité, le futur de l'art dans ce siècle ? Ce qui vous manque se résume en ce mot, liberté, dans tous les sens du mot. Et que dire de mes pires ennemis, les guitaristes ? Ils se prétendent mes amis, alors qu'en privé, ils n'ont que sarcasme envers moi. Heureusement, leur voix compte peu pour les Lamartine, Hugo, Dumas et autres esprits ouverts qui savent m'apprécier, eux. Lamartine m'a appelé le poète de la guitare et Hugo le Cid de la guitare. Saviez-vous que le 2 avril 1833, j'ai partagé un concert à Paris avec Chopin et Liszt? Qu'ai-je à faire avec vos petites querelles et vos jalousies mesquines quand on acclame l'apothéose de la véritable guitare espagnole ? Dans ce Paris truffé d'artistes célèbres, invité à tous les cénacles, je devais rencontrer George Sand, dont la volonté de vivre sa liberté m'a tout de suite séduit. Elle aussi m'a tendu une oreille admirative et en même temps adressé certains regards de femme qui ne trompent pas et qui ont jeté le trouble dans mon cœur. Je dois l'avouer. Ainsi, ma vie s'est trouvée bouleversée pendant quelque temps, avant que cette femme étonnante reprenne le cours de sa vie de liberté. Décidément, à Paris, le public et certains journalistes, même, à n'en pas douter. En vérité, M. Huerta est un homme fort extraordinaire. Les difficultés qu'il exécute tiennent du prodige. Rien ne peut donner l'idée de la merveilleuse agilité de ses doigts. Il faut l'entendre. M. Huerta, guitariste espagnol, tire d'un instrument ingrat des effets prodigieux. On a voulu l'entendre une seconde fois. Il rend perceptible à l'oreille exercée toutes les richesses et les finesses de la composition sur cet instrument dont le bois devient même sonore quand il le frappe du bout des doigts. Ma modestie m'empêche de citer tous les vers qui m'ont été dédiés, mais ceux de Delphine de Girardin ne parlent pas que de ma guitare. La poétesse de l'amour parle aussi de mon combat pour la liberté. Et c'est à ce titre qu'il est de mon devoir de vous insérer ici cet extrait. L'avez-vous entendu, ce troubadour d'Espagne, qu'un art mélodieux au combat accompagne ? Sur sa guitare, il chante et soupire à la fois. Ses doigts ont un accent, ses cordes une voix. Ma renommée a grandi. Résultat, l'infant d'Espagne, Francisco de Paula, a entendu parler de moi. J'ai dû aller jusqu'à Saint-Sébastien pour lui faire apprécier mon art. Je sais, on m'a critiqué pour ça. Il fait partie de la race abominable des Bourbons despotes. Mais il est passionné par les arts et la musique. Et c'est mon devoir de guitariste de lui faire découvrir et apprécier cet instrument que personne avant moi n'a pu faire autant briller. De la même manière, quand la reine Isabelle II m'a fait croix de Charles III. Ce n'est pas moi qui porte cette décoration, c'est la guitare.
J'ai joué devant des rois et des reines dans toute l'Europe. Et si j'en suis fier, c'est pour la reconnaissance de sa légitimité dans le monde des arts. Ma guitare reste toujours aussi libre, et moi toujours un révolutionnaire proscrit dans ma tête. Le journaliste français l'a bien compris. Monsieur Huerta est un réfugié. Honneur au pays qui donne asile à l'infortune. Honneur à l'institution qui recherche et accueille le talent. Heureusement, bientôt la situation politique m'a permis de revenir en Espagne et donner mes concerts à Barcelone, Valencia, Malaga, Séville et d'autres endroits où la guitare s'apprête seule. J'ai dû me séparer de ma chère épouse, Angelina Palom. J'en ai eu le cœur serré, et elle aussi, car je vois qu'elle a voulu conserver mon nom attaché aussi, même après notre divorce. C'est ainsi que je me suis remarié avec ma chère Salvadora, la mère de mes enfants. Ainsi sont les choses de la vie. Néanmoins, certains critiques continuent avec leurs préjugés. The romantic guitar is fallen rather into discredit. And whilst many Spanish guitarists were enchanting the rest of Europe, Paul Saul, among others, those who remained to play their craft at home met with a cold reception. Qu'importe, j'ai eu ma catharsis en donnant un concert à Cadix, là où presque 20 ans auparavant, j'avais failli perdre la vie en défendant la liberté au fort du Trocadéro contre l'envahisseur français. Et je reprendrai le chemin de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Irlande pour un public choisi et enthousiaste. He is by far the most accomplished performer on the guitar we ever heard. And if the attendance at his concert had been equal to his merits, the largest room in the town would have been crammed to suffocation. Et puis revenir à Paris, cela en valait la peine pour jouer devant Berlioz, qui avait écrit sur ma blessure gagnée au Trocadéro avec l'humour qu'on lui connaît. Je dirais seulement que j'ai entendu ces jours-ci le célèbre guitariste Huerta. Il nous revient d'Espagne, où il était allé jouer du canon et de la carabine dans un grand concert au bénéfice de la reine, et où il a gagné une profonde décoration sur la jambe gauche. Mais il ajouta tout de suite. Cet homme a trouvé le moyen de faire non seulement chanter la guitare, mais d'en tirer même des plaintes et de véritables gémissements. Rien de plus délicieusement fou que sa gaieté andalouse, mais aussi rien de plus touchant que sa mélancolie. Ce fut aussi alors que je pus accomplir cette petite vengeance que je ruminais depuis longtemps. Aller à Saint-Malo, jouer mon hymne de Riego, sur l'îlot où Chateaubriand a voulu sa tombe. Puis, le morceau achevé, me lever et cracher sur la sépulture. Cruel et mesquin peut-être l'ai-je été, comme lui avait été l'ignoble. Paris. C'était aussi la rencontre avec beaucoup d'artistes. L'émouvante Fanny Ferrito, par exemple, danseuse de l'opéra, qui vivait près de chez moi, au Batignolles. Une liaison qui avait failli me coûter cher, comme on va voir. C'est à cette époque que j'ai rencontré Lola Montes. Ou plutôt, nous nous sommes rencontrés, comme on rencontre son double dans la rue. C'était très étrange. Je donnais un concert au cours duquel je jouais un boléro de ma composition. Lola Montes était dans la salle et est venue tout de suite après dans ma loge, ou plutôt elle s'est jetée sur moi sans embâge. « Viens dîner avec moi. Je veux ce boléro pour moi. Il doit porter mon nom. » Elle se reconnaissait dans ma guitare comme quelqu'un qui voit son reflet dans un miroir. Ma guitare était comme elle. Sauvage et rebelle. Quand je lui ai avoué à table que j'avais promis ce boléro pour Fanny Ferrito, sa rivale dans les Lyons de Paris, Lola Montes devint furieuse.
Ce n'est pas possible. Sans réfléchir, elle s'est emparée d'un couteau et me l'a jeté à la figure. Je me suis mis à saigner et elle a immédiatement éclaté en sanglots. Et me caressant le visage des deux mains, elle a baisé mes lèvres sans arrêt. Entre les cris les plus tendres, je lui ai promis de changer le nom de mon boléro. Mais je ne fis pas que ça à son nom. Je voulais que mon boléro soit son portrait vivant, et j'en ai changé l'harmonie et les rythmes pour lui donner cette tournure sauvage qui la peindrait dans son ensemble. Ma chère Lola. Mais ma guitare pouvait-elle rivaliser avec la foule des amants de la danseuse, puissante et riche? Pouvais-je même exister devant le roi de Bavière? Cette histoire avait commencé dans le tumulte et se termina dans l'orage. Il ne pouvait en être autrement. Pour la deuxième fois, il me fallut fuir Paris en toute hâte, cette fois-ci pour tenter d'oublier l'inoubliable Lola. Je trouvai refuge au château de Lieu-Dieu en Dordogne. Ce château appartenait à Germain de Sanzillon, qui était mon élève. Je n'ai voulu que très peu d'élèves, mais bons ou mauvais, ils ont toujours représenté pour moi une famille virtuelle, sinon virtuose. Je dirais même ma vraie famille. En tout cas, je les ai tous aimés, et particulièrement Sanzillon. Car si ses progrès sur la guitare n'avaient pas de quoi m'enorgueillir, il ne me faisait pas non plus monter le rouge de la honte au front. En tout cas, cela me permit de mettre un point final à mes tribulations avec mon boléro Lola Montes, en le dédiant à mon élève le comte de Sanzillon, qui me le fit imprimer avec une somptueuse gravure. Bien entendu, j'ai dû simplifier ce boléro à l'extrême pour le rendre acceptable et que le public puisse le jouer. J'ai dû en effacer toute la passion sauvage, toutes ces harmonies étranges et barbares, et les rasgueos, qui étaient adressées à Lola Montes, pour en faire la pièce de salon convenable pour les oreilles aristocratiques que tout le monde attendait. Ces harmonies et ces rythmes, elles seules les avaient suscités, et elles seules avaient pu les comprendre et les aimer. Une de mes plus grandes admiratrices fut la gentille comtesse russe Koutchelev. Elle aussi devint mon mécène, et je lui dédiai mon Souvenir de Paris, pièce de salon pour son goût, car elle n'aimait que les romances. Mais cela ne lui suffit pas. Une aristocrate reste une aristocrate. Elle se doit d'avoir une preuve tangible de sa générosité, une pièce unique, un manuscrit qu'elle pourrait exhiber dans sa bibliothèque. Et bientôt, elle exigea de moi ce que je déteste le plus, une méthode pour les débutants. Il fallut que je commence à rédiger pour ses enfants cette triste méthode qui restera, et heureusement, manuscrite, bien que somptueusement reliée, et je l'espère, enfermée au fond d'un château en Sibérie. Malheureusement, je dus bientôt quitter le château de Lieu-Dieu, mon refuge, car mon cher élève Sanzillon mourut quelque temps après mon installation. J'ai dû retourner à Paris et tenter de vivre chichement et dans l'angoisse d'engagements de plus en plus rares et d'expédients. J'ai bientôt 60 ans. Pour renouveler mon art devant un public blasé, j'ai dû chercher des subterfuges bien éloignés de ma vraie nature. J'ai dû jouer sur une petite guitare soprano, sur une guitare lyre, et même me produire en compagnie de mon fils de 10 ans, qui est un prodige du violon. Et pour survivre, me résigner à chercher d'autres mécènes. Mais rien n'y fit. La maladie, le déclin inexorable. Comme elle était loin, la lettre de Victor Hugo. Puisque vous attachez de la valeur
Seigneur de Huerta, a une opinion aussi insignifiante que la mienne, je suis heureux de vous dire à quel point j'ai été enchanté par votre habileté. La guitare, cet instrument si circonscrit, ne connaît pas de limite entre vos mains. Vous lui faites produire tous les sons, tous les accords, tous les chants. Vous savez tirer de ces quelques cordes les notes les plus variées, celles qui parlent à l'âme, à l'intelligence, au cœur. Votre guitare est un orchestre. J'aime beaucoup l'Espagne et les Espagnols, Seigneur de Huerta, et donc la guitare, mais surtout dans vos mains. Dans celle-ci, ce n'est plus une corde qui soupire, c'est une voix, une vraie voix qui chante, qui parle et qui pleure. Une de ces voix profondes qui font réfléchir ceux qui sont heureux et qui inclinent à la méditation ceux qui sont tristes. Croyez, Monsieur de Huerta, que j'ai le plus grand plaisir à vous communiquer mes idées sur ce sujet et accepter l'assurance du désir que j'ai de vous servir. Paris, le 16 février 1834. Victor Hugo. Pauvre Hugo, proscrit comme je l'ai été, comme tu me manques. Puis le suicide de mon frère Pedro, survenu en 1855 à Nice, m'a bouleversé. En une nuit, mes cheveux sont devenus tout blancs. Bien sûr, il s'était trompé et avait choisi le camp de l'absolutisme le plus rance, celui de Don Carlos. Ou plutôt, on avait trompé sa faiblesse avec de beaux discours. Cette faiblesse bien claire maintenant avec son suicide. Mais je ne pouvais oublier qu'il m'avait sauvé la vie. Son visage et son sourire qui m'étaient apparus comme dans un rêve au Trocadéro en 1823, reste gravé dans mon souvenir. C'était la dernière fois où je l'ai vu. Et puis maintenant que la reine Isabelle m'a nommé musicien de sa chambre, plus rien n'a d'importance. Il me faut m'éloigner de ces choses-là. Ce siècle va vers sa fin. J'aime toujours mon cher Paris, entre-temps devenue la capitale flamboyante des boulevards que vous connaissez. Et je ne veux mourir nulle part ailleurs. Mais usé et malade, rien n'est comme avant. Même si mon ami Rossini m'encourage en m'écrivant qu'il avait retrouvé mon talent. Tel que je l'ai laissé, jeune, élégant. Le temps n'existe pas pour lui. Recevez ces quelques lignes comme témoignage de ma vérace admiration. Votre dévoué, Rossini. Rossini se trompe. Ce qui m'attend, c'est la pauvreté, le dénuement. En effet, je suis célèbre, mais pauvre. J'ai joué devant les reines d'Espagne, d'Angleterre, de Belgique et du Portugal. On me fête, mais plus personne ne s'intéresse vraiment à ma guitare. Devenu tout au plus un article de foire. On trouve mon caractère orgueilleux. On moque l'Espagne, toujours collée à la poussière de mes bottes, avec le regard xénophobe de la France impériale. On me caricature par la plume de ce vicomte Charles-Amédée de Noé, pour mon accent espagnol, comme ce fut le cas aussi à Londres, et surtout comme un révolutionnaire sauvage qui brutalise son instrument sur scène. Entouré de Lamartine et de Victor Hugo au premier rang, eux aussi trop libertaires à ses yeux. Encore une fois, pèse sur moi le regard de ces petits nobliaux, ceux qui n'ont rien oublié et rien appris depuis le dernier siècle. Et même l'Espagne, devenue république, m'oublie. Avec son hymne de Riego, maintenant hymne national, cette nouvelle Marseillaise
dont c'est moi, Huerta, l'auteur. Ici à Paris, certains ne peuvent que le constater et s'apitoyer. Un demi-siècle après son éclosion et après avoir été interdit pendant tant d'années, l'hymne de Riego vient de reprendre son essor. L'Espagne ne peut moins faire pour son chantre national, pour le pauvre Huerta, devenu vieux et misérable, que la France ne fit sous Louis-Philippe pour Roger de Lille. Sans que, malheureusement, cela ne change d'un pouce ma situation à Paris. Le temps ne m'a pas été favorable, contrairement à mes amis Sor et Aguado, qui, après leur mort, ont vu leur œuvre valorisée parce qu'ils ont publié des études et laissé les volumes d'une école bien rangés sur les étagères de tous les guitaristes du monde. Moi, je ne laisse rien. Je n'ai publié d'œuvres que raccourcies, amoindries et facilitées pour les amateurs, comme celles que vous avez vues plus haut. Comment pourrait-on écrire sur du papier à musique toutes mes audaces, tous ces gestes magiques faits avec cette main droite libérée qui a ébloui l'Europe? Incapable de jouer mes rasgueos. Guitariste de tous les pays, vous qui aimez votre guitare parce que vous l'aimez libre, soumise seulement à ses propres lois. En vérité, je vous le dis, ne jouez pas mes pièces imprimées. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas un guitariste d'imprimerie, un homme de l'écrit, mais de l'instant, comme l'oiseau qui passe. Moi, j'ai tout donné de moi dans mes concerts. Je n'ai pensé qu'au plaisir du public, avec mes fandangos et mes jotas, rien de plus éphémère. Tout s'est envolé avec le temps. Velas de Medrano a bien raison quand il écrit de moi. A pesar de su indisputable talento, por causa de su original carácter y careciendo de la verdadera educación musical, desaparece sin dejar rastro alguno que sirva para adelantar el arte de tocar la guitarra, al contrario de Aguado y Sor, que con sus obras han contribuido tanto a perfeccionar el instrumento. Oui, ma vie s'achève. Une vie de lutte perpétuelle contre le despotisme, contre les préjugés. Je n'ai été finalement chez moi nulle part. Telle est la loi des immigrés. Et pour cela, dans ma patrie, on m'appelle le français. J'ai dû me battre sans arrêt, la guitare à la main, pour avoir ma place face à l'invasion de ce siècle par le piano. Un journaliste espagnol a même écrit en 1856 que contre cette révolution étouffante du piano au XIXe siècle, c'est à moi, Huerta, et à moi seul qu'était dévolu le rôle de représenter la contrarrevolución. Si alguno puede realizar la contrarrevolución, es sin duda Huerta, el más apto entre todos, pues no sin razón le llamaron en París y Londres el Paganini de la guitarra, cuando el inmortal violinista estaba en su apogeo. Mais c'est trop tard. La guitare est devenue un instrument archéologique, comme ils disent. Et il ne me reste plus qu'à mourir au 78 rue de Provence à Paris, pour que l'amoureux de la guitare et de la liberté, qui a tant œuvré pour l'une et pour l'autre, soit définitivement oublié.